La matinée avait plutôt bien commencé, mais le rassemblement des Gilets jaunes à Paris a tout de même dégénéré. Ce samedi 8 décembre fut un peu moins tendu que le précédent, mais au compteur, ce matin tout de même, on dénombre plus de 1700 interpellations, 179 blessés sur tout le territoire. Des images de guérilla urbaine à Paris qui contrastent avec celles prises hier en Normandie sur les principaux points de barrage des Gilets jaunes. Quelques incidents à déplorer selon la préfecture, 55 arrestations, mais beaucoup moins de tensions que samedi dernier. Alors où en est-on? Que va-t-il se passer maintenant? Une délégation de Gilets jaunes a été reçue vendredi par le Premier ministre. Pour autant, le mouvement se poursuit. De tout cela, nous allons parler ce matin lors de cette émission exceptionnelle, ce dimanche en politique en Normandie spéciale. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Franck. Bonjour Émilie. Quel avenir pour ce mouvement des Gilets jaunes? Comprenez-vous cette violence, ces scènes de guérilla avec les forces de l'ordre? Comment sortir de cette spirale et renouer le dialogue entre les politiques d'un côté et les gilets jaunes de l'autre? C'est ce que nous allons essayer de faire ce midi avec nos invités, Émilie. Pour en parler justement et instaurer ce dialogue autour de toutes ces questions, nous ont rejoint en plateau. Tout d'abord, Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Émilie. Vous êtes gilet jaune envoyé à l'unanimité pour représenter le mouvement installé au rond-point de la route de Buchy en Seine-Maritime depuis maintenant plus de 20 jours. À vos côtés, Karim Benasser est avec nous également ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous représentez le syndicat de police Alliance en Normandie. En face de vous, Fabien Goudfard, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche pour le département de l'Eure. Et à vos côtés, Véronique Louvagie, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains dans le département de l'Orne. Alors, comment ont été perçus ces événements ce week-end? Nous irons sur le terrain pour voir dans quel état d'esprit sont les gilets jaunes. Nous serons duplex du rond-point de Mocanchy, c'est en Seine-Maritime, où nous rejoindrons d'abord David et ensuite Natacha, deux gilets jaunes qui nous expliqueront les raisons de leur engagement. Et puis en duplex de Caen, nous entendrons Ralph Lejeunetel, conseiller municipal de Cherbourg. Il est également secrétaire départemental du Parti communiste dans le département. Et puis tout à l'heure, Benoît Lepelletier, c'est un des chefs de file du Rassemblement national dans la Manche. Mais avant de vous faire tous réagir, je vous propose de revenir en images sur ce qui s'est passé ces dernières 24 heures en Normandie et dans la capitale. Retour en images signé Pierre-Guillaume Craignot. On se retrouve juste après. D'un samedi à l'autre, les scènes se répètent à Paris. Sur les Champs-Élysées, des barricades improvisées. Des hommes venus pour casser. Dans les rues adjacentes, des voitures incendiées. Un peu plus tard, des scènes de pillage. Écœuré par les violences, cet homme jette son gilet sur une moto incendiée. On peut manifester? Oui, c'est bien. Ok. Mais pas brûler et tout. À Paris, 71 personnes ont été blessées, rien de comparable avec le samedi précédent. Signe d'un changement de stratégie des autorités. Une capitale quadrillée, des blindés de la gendarmerie, consigne donnée d'intervenir au plus vite. Des images de chaos qui tranchent avec ces nombreux gilets jaunes venus manifester pacifiquement, rose à la main. Sur tout le territoire, près de 1700 interpellations, une mobilisation qui ne faiblit pas, 125 000 gilets jaunes dans les rues de France. 2 milliers à Caen. Un cortège calme et des points de tension. Les centres commerciaux sont visés. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver pour s'assurer que le magasin ferme. Tout comme le périphérique cannais perturbé. Au Havre, 1000 gilets jaunes et 700 gilets rouges de la CGT ont convergé. L'aboutissement d'une réflexion en commun. C'est une rencontre qu'on a eue qui a fait qu'à un moment donné, on a dit que symboliquement, c'était important de quand même montrer qu'effectivement, il y avait une possibilité de convergence. Une union des contestations symbolisée à Dieppe par la présence du maire et du député communiste Sébastien Jumel. Je pense que ce qui se passe ce week-end est de nature à faire bouger le gouvernement, je le souhaite. Malgré des débordements comme ici à Rouen, avec un petit groupe de casseurs, l'image en Normandie d'un mouvement apaisé et déterminé, alors qu'un acte 5 est déjà annoncé samedi prochain à Paris. Alors après les graves violences du week-end dernier, plus de 400 blessés, on craignait le pire ce week-end, on en a souvent parlé. Un record a été battu, c'est celui du nombre d'interpellations, 1700 personnes à l'échelon national, dont plus de 900 sur Paris. Karim Benasser, vous êtes le secrétaire régional d'Alliance Police. Est-ce qu'on peut dire ce midi qu'on a évité le chaos? Bien sûr, d'abord, permettez-moi de porter un hommage à mes collègues policiers et gendarmes.
qui depuis de nombreuses semaines maintenant sont sur le terrain à la manœuvre. Il y a beaucoup de collègues policiers gendarmes qui, malheureusement, on le déplore, ont été blessés. Mais ça aurait pu être plus grave si mes collègues n'avaient pas fait preuve de sang-froid et de professionnalisme. Est-ce que vous dites que l'opération de maintien de l'ordre, justement, sur Paris, mais également en province, chez nous, en Normandie, a été couronnée de succès, justement, par rapport aux craintes que l'on avait ? Alors, vous l'avez vu, nous avons été reçus par le ministre de l'Intérieur cette semaine. Notre organisation avait des exigences. On ne pouvait pas refaire samedi ce qu'on avait vécu le samedi précédent. Pourquoi ? Parce que on avait affaire à des forces de sécurité qui étaient statiques, et c'est pour ça qu'on a eu un nombre conséquent de blessés. On a exigé à ce qu'on ait des forces beaucoup plus mobiles, beaucoup plus réactives, qui allaient au contact des manifestants, ou en tout cas des délinquants, des voyous, hein, parce que pour moi, je ne fais pas d'amalgame, monsieur, mais ceux qui jettent des projectiles qui s'en prennent violemment à des policiers, ce sont des voyous. Alors, réponds justement peut-être de Kevin. Donc c'est bien de souligner qu'on ne fait pas l'amalgame entre justement les groupes qui sont venus là pour casser ou pour aller au conflit avec les forces de l'ordre et le groupe des Gilets jaunes. On a bien vu toutes les images de ces roses qui sont apportées aux forces de l'ordre, et on a bien vu aussi toutes ces images de personnes qui sont sans Gilets jaunes et qui cassent des vitrines ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment bien faire la différence entre ces deux groupes-là. Il y avait une tension vendredi qu'on sentait, qu'on ressentait. Hein. D'ailleurs, Christophe Castaner en a parlé, le gouvernement en a parlé. En fait, quelle est la différence entre ce samedi d'hier et le précédent ? On a eu le sentiment qu'entre deux, les forces de l'ordre ont reçu des ordres. Oui. Est-ce que c'est ça ? Et au préalable, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, il y a eu un quadrillage, filtrage au préalable, dès le matin, où il y a eu environ près de 500 casseurs présumés qui ont été interpellés dans les gares et aux entrées de Paris. Et on a pu voir que ce dispositif a été efficace. Kevin ? Alors, moi, la grande question. Vous n'étiez pas à Paris, en fait. Non, on n'est pas monté à Paris. Non, pourquoi vous n'êtes pas monté à Paris, justement ? Pas dans cette dynamique, justement. Alors, déjà, on savait très bien comment allait se passer. On sait très bien comment finir par se dérouler ce genre de manifestation. Nous, on n'est pas dans cette dynamique-là, en fait. On est toujours dans la dynamique du rassemblement et de mobilisation pacifique. Donc, vous condamnez les violences du week-end dernier, de samedi. Je vais pas dire qu'on les cautionne pas, de toute façon, ça c'est sûr. On les condamne. Oui, dans le sens. On peut que les condamner, parce qu'il y a tout ce qui est dégradation sur les bâtiments, type commerce, des choses comme ça, ou sur les attaques sur les forces de l'ordre. Bien sûr qu'on va les condamner. Et est-ce que ce midi, justement, très concrètement, vous appelez au calme pour les jours prochains ? On entend dire déjà que se prépare un acte 5. Est-ce que vous dites qu'il ne faut plus rééditer ce qu'on a connu il y a 8 jours et encore dans certaines villes ? L'appel Paris, calme, il est lancé Bordeaux, par tous les grands. Quelques échauffourées ici et là, à Mondeville, dans notre région ? Par tous les grands, entre guillemets, représentants qu'on voit, enfin, qui se sont mis un petit peu plus en avant sur le mouvement des Gilets jaunes, tout le monde a appelé au calme. On en a certains qui ont même appelé. C'est ce qu'on fait ce midi ? C'est ce qu'on fait ce midi aussi, bien entendu. On va peut-être poser la question à Fabien Goutfarn, hein, parce que l'attention dont je parlais, on l'a bien senti vendredi auprès du gouvernement, partout. Il y a eu ces images aussi de lycéens dans la semaine à Mantes-la-Jolie. Vous êtes député La République En Marche dans l'heure. Justement, qu'est-ce que ça vous a inspiré encore, ces images d'hier ? On peut constater qu'on a eu un samedi moins sombre qu'annoncé. Pourquoi ? Parce que les forces de l'ordre ont repris la main ? Parce que, bien évidemment, ils avaient des signes annonçateurs que ça allait beaucoup cogner. Mais je pense que, comme l'a dit monsieur, le dispositif mis en place a été beaucoup plus agile, beaucoup plus mobile, beaucoup plus intelligent par certains côtés que ça avait été le cas la semaine dernière. Donc on a pu effectivement arrêter des gens qui avaient des armes par destination, des boules de pétanque, des battes, etc., avant qu'ils arrivent sur Paris. Et ça, je pense que c'est intéressant. Moi, je m'étonne un peu que Kevin ne condamne pas davantage, parce que je suis sûr que ces images pâtissent, le mouvement des Gilets jaunes pâtit de ces images de casseurs. Ah bah bien évidemment que ça salit un peu l'image du mouvement des Donc Gilets jaunes. Collectivement, on n'a aucun intérêt. Bien sûr qu'on les condamne, parce que c'est apporté une mauvaise image. Et j'ajouterais les gendarmes sont les sentinelles de notre démocratie, et moi aussi je voudrais les rendre hommage. Ils ont encore été très très sollicités samedi, et vraiment c'est un hommage très fort qu'il faut que leur faire. Si vous me permettez, je suis bien content d'avoir des politiques devant moi ce matin. Les policiers et gendarmes ont été efficaces, mais n'oubliez pas que les policiers et gendarmes, aujourd'hui, sont fatigués. Ça fait plusieurs semaines, je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes sur le front. Il va falloir qu'il y ait des annonces politiques
claire, de manière à ce que... Quelle annonce, vous, justement ça, moi, vous savez, je suis syndicaliste policier, je ne suis pas politique. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que les policiers... Mais vous êtes citoyen, en fait, vous voyez bien, en fait, ce qui pourrait être annoncé et ce qui pourrait calmer le jeu. Mais j'aimerais dire à monsieur le député qu'il va falloir que nos responsables politiques prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les effectifs policiers sont éreintés, sont à bout de souffle. On est en sous-effectif permanent. Justement, on en appelle à vous pour faire un peu de lobbying auprès de notre ministre de tutelle, de manière à ce qu'on puisse être renforcé rapidement. On va essayer de laisser la parole à tout le monde, justement, sur ce plateau. Véronique Louwagie. En premier lieu, je veux rendre hommage aux forces de l'ordre, parce qu'effectivement, ils font un travail superbe dans des conditions difficiles, et je pense qu'il faut mettre à l'honneur leur engagement. Reconnaître qu'effectivement, ils sont épuisés, je pense qu'il faut prendre ça en considération. Je crois qu'on a eu deux phénomènes différents sur ces deux samedis. Pour ce qui concerne le premier samedi, nous avions un message au niveau du gouvernement qui n'était pas du tout un message d'ouverture. Encore, le Premier ministre parlait de garder le même cap. Et au demeurant, il y avait une organisation qui n'a pas été mise en place de manière optimum sur ce premier samedi, avec effectivement, comme cela a été dit, des forces de l'ordre statiques, ce qui n'était pas du tout adapté. Sur cette semaine, nous avons vécu finalement une situation différente, puisqu'une ouverture qui a été donnée par le gouvernement et le président de la République, et je dirais une organisation qui a été beaucoup plus adéquate. Maintenant, il nous faut sortir de la crise, parce qu'au demeurant, nous n'en sommes pas sortis. Je crois que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, justement ? C'est quoi la solution ? Il y a une intervention du président de la République qui va avoir lieu, donc si je crois ce qu'on nous en dit demain, qui est fortement attendue, parce que certains regrettaient son silence depuis quelques jours. Mais Madame Louwagie, la dernière fois qu'il a parlé, ça a un peu attisé colère qu'autre chose. Voilà, alors moi-même, je regrettais son silence, parce qu'on sent bien qu'il faut qu'il parle. Au demeurant, peut-être qu'il a eu raison, effectivement, de ne pas parler et de laisser le gouvernement, le Premier ministre, intervenir. Mais là encore, il faut que ce soit clair, parce que cette semaine, ça n'a pas été clair. Quand le Premier ministre est intervenu devant nous à l'Assemblée nationale. Ça a été pour parler de la taxe sur les carburants qui était suspendue pendant 6 mois, mais peut-être pas fait. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Voilà. Ça, c'était il y a quelques jours. Oui. Demain, qu'est-ce que vous attendez du président de la République ? Est-ce qu'on pourrait avoir, comme le demandent les Gilets jaunes, une démission du président, ce qui paraît quand même un peu surréaliste dans l'état actuel des choses, et une dissolution de l'Assemblée nationale. Écoutez, moi je ne crois pas à ça. Qu'est-ce que demandent aujourd'hui les Gilets jaunes ? Un certain nombre de choses, mais de répondre à une vraie justice et de répondre finalement à une injustice, on va dire, fiscale, sociale et territoriale. Je prendrai les trois. Fiscale, c'est vrai qu'on a un vrai souci aujourd'hui de fiscalité et les décisions qui ont été prises concernant l'ISF, la flat tax, et même si je suis tout à fait défavorable à remettre en cause l'ISF, mais n'ont pas été accompagnés de mesures en fonction des moins aisés. Alors, et là, je crois qu'il y a une vraie incompréhension. On va continuer notre tour de table, si vous voulez bien. On va aller à... On va partir, on va aller retrouver Ralph Lejamtel qui nous attend, qui est en duplex avec nous depuis Caen pour le Parti communiste. Monsieur Lejamtel, bonjour. Vous l'avez vu, Sébastien Jumel a rejoint le mouvement des Gilets jaunes du côté de Dieppe ce week-end, justement, lui aussi, qui est communiste. Jean-Luc Mélenchon disait un peu que le gouvernement et le président avaient cherché à faire peur aux Français un peu vendredi soir en décrivant une situation de danger imminent. Quel bilan vous faites, vous, en ce dimanche matin ? C'est vrai que depuis 3 semaines, la ville de Dieppe voit des rassemblements en soutien aux Gilets jaunes. Il y a eu aussi des cahiers de doléances qui ont été mis en place dans cette ville pour recueillir les demandes des Gilets jaunes. Dès le début du mouvement, c'est Christophe Castaner qui s'est mis en première ligne. C'est-à-dire qu'au début du mouvement, la seule question était sécuritaire. Et je remarque que la semaine dernière, lorsqu'il y a eu des violences, c'est là que le gouvernement a reculé. Ça a quand même donné un drôle de signal par rapport à ce recul suite aux violences. Et là, cette semaine, on a eu lieu... une dramatisation, on annonçait des morts, c'est ce que le gouvernement a fait, il a dramatisé le week-end qui venait, et pourtant les gens se sont quand même mobilisés à Paris, ce qui montre le niveau de la colère. Moi je remarque qu'il y a moins de blessés, et on peut s'en réjouir, mais il y a plus de dégâts, et plus de dégâts dans des villes comme Bordeaux, Saint-Étienne, Marseille. En province. Donc d'une certaine manière, on ne peut pas se réjouir de ça par rapport à la journée d'hier. Mais quand on voit Sébastien Jumel... Il a été légitimé par M. Castaner lui-même. Quand on voit Sébastien Jumel justement enfiler un gilet jaune, est-ce que vous seriez prêt, vous, sur un barrage, sur un point de blocage dans le Nord-Cotentin, à Cherbourg, à faire la même chose ? Très concrètement. Moi, je suis un conseiller municipal.
Moi, bah, je suis un conseiller municipal. Et lui, il est député. D'un centre de santé. Oui, il est député, mais c'est son choix de mettre un gilet jaune. Moi, je respecte ce choix. Moi, mon choix en tant que militant politique, je ne mets pas de gilet jaune parce que je préfère dialoguer avec les gilets jaunes. Je ne crois pas que ça leur donnerait grand-chose que je mette un gilet jaune. Je remarque qu'un certain nombre de leurs revendications sur la gratuité des transports, sur les premiers mètres cubes d'eau gratuits, sur le fait d'avoir plus de services publics, plus de transports en commun, ce sont des choses que l'on défend au conseil municipal de Cherbourg depuis des années. Donc, ce n'est pas une question de récupération politique, mais je respecte ce que les gilets jaunes disent en termes de démocratie politique et en termes de pouvoir d'achat. Ce sont des choses que je partage, je les partage, mais je ne suis pas gilet jaune pour ma part. Sébastien Jumel qui a été justement sollicité hein, par Kevin, vous l'avez sollicité, vous, votre parlementaire, votre député. Donc je suis rentré en contact avec lui au début du mouvement. Il y a un premier échange qui s'est fait et il m'a dit qu'il souhaitait très clairement venir justement à notre rencontre et pouvoir discuter de tout ça pour voir avec nous justement quelles étaient les revendications. Et après, on s'est retrouvé face à un mur où pendant plus d'une semaine, on n'avait plus aucune nouvelle ni aucun retour. Alors après, on sait très bien que voilà, les députés aussi sont très pris avec les rassemblements de l'Assemblée nationale, les choses comme ça. Mais il y a quand même un minimum de communication via les attachés parlementaires qui ont très bien su me recontacter derrière pour me proposer des rendez-vous. Donc on s'est quand même retrouvé pendant un moment à crier dans le désert et puis à ne pas avoir de réponse. Justement, vous étiez interdit. Revendications, quelles sont vos revendications aujourd'hui? Que demandez-vous? Là encore, une fois concrètement, pour qu'on sorte de cette spirale, de cette violence, de cet enlisement du conflit. Alors les revendications, on en entend, il y en a de toutes les sortes, un petit peu partout. C'est ce qui fait un peu le problème qui permet de structurer le mouvement, c'est que tout le monde y va un petit peu de sa revendication. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très sincèrement... Problème, justement. Mais aujourd'hui, vous, Kevin, si vous aviez à demander une décision au président de la République, quelle serait-elle? C'est revenir tout simplement sur les termes et si on reprend l'étymologie de la démocratie, c'est redonner un peu de pouvoir au peuple. Il y a plusieurs possibilités. Il y a par le référendum. Le référendum d'initiative citoyenne, mais que le peuple retrouve sa place au niveau des décisions c'est politiques. C'est ce que vous aviez déjà cherché à faire en discutant aussi avec vos parlementaires. Fabien Gouttefer, vous avez un commentaire à faire là-dessus. Deux choses. Sur effectivement, l'utilisation politique de ce mouvement et puis sur vos revendications. Moi, je n'ai pas peur de dire qu'il y a de véritables vautours politiques qui se repaissent du malheur des Gilets jaunes et de ce mouvement. Dans ma circonscription, j'ai quand même un maire de la ville-préfecture, du mouvement Les Républicains, qui a appelé à les Gilets jaunes à bloquer sa propre police municipale. 10 jours après que son mouvement majoritaire au Sénat ait voté le recul de l'âge de la retraite à 63 ans et l'augmentation des mutuelles de 40%. C'est d'un cynisme incroyable. Et les gens qu'on voit aussi sur les barrages, c'est pour ça que je suis très heureux d'entendre le représentant du Parti communiste faire la distinction. Moi, je suis un élu et je ne mets pas de gilet jaune. On peut soutenir un mouvement sans s'en repaître comme cela. Sur les revendications, une dernière chose, sachez que moi, en tant qu'élu, j'ai reçu pas moins, depuis 3 semaines, 4 listes distinctes, officielles, de revendications, certaines venant des barrages elles-mêmes, certaines venant des représentants nationaux. Vous savez que tous les députés ont reçu cette liste que j'ai dans les mains, des représentants nationaux. On peut en parler, et maintenant, cette phase qui s'annonce doit faire en sorte qu'on parle des revendications, parce qu'on est dans des injonctions totalement contradictoires, et j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui. Allez-y, monsieur Benasser. Monsieur le député, alors, je vous entends être le chantre du dialogue, et je m'en félicite. Néanmoins, je crois que votre gouvernement a cru bon, et le président de la République a cru bon, vous savez, affaiblir les organisations syndicales. Il n'a fait que ça depuis son arrivée au pouvoir. Vous savez que les corps intermédiaires que nous sommes de véritables amortisseurs sociaux. Nous sommes des interlocuteurs privilégiés. Vous n'avez fait que ça de nous affaiblir. Aujourd'hui, je crois que vous en payez le prix. Monsieur Gouttefer. Moi, personnellement, le syndicat Alliance... Moi, je viens du monde du ministère de la Défense. Donc, sur les questions de sécurité, j'y suis sensible. Le syndicat Alliance, je l'ai reçu dans ma permanence 2 semaines après mon élection, en juin 2017. Donc, effectivement, vous avez raison, on l'entend beaucoup. Il faut absolument qu'on renoue avec les corps intermédiaires. Et je pense que la grande concertation doit nous mettre tous à égalité. La grande concertation qui s'ouvre, ce sont dans les territoires, mais ça ne doit pas être organisé par les députés. Ça doit être organisé par exemple, des maires, des élus qui mettront à disposition des mairies. Et nous devrons être à la table avec les Gilets jaunes exactement au même niveau que des représentants syndicaux. C'est pas moi qui vais organiser les concertations, surtout pas.
je veux être au même niveau que les Gilets jaunes, que les Français qui voudront venir et que les représentants français. Certains corps intermédiaires qui commencent seulement à rejoindre le mouvement que maintenant. Moi, je tenais quand même à le signaler. On va partir rejoindre David, parce qu'on a choisi de donner vraiment la parole à tout le monde ce matin. David a 48 ans. Il est salarié depuis un an dans le BTP après avoir été 12 ans à son compte comme technicien hydraulicien mécanicien industriel. On part donc en direct du rond-point de Mokanchi. Vous avez rejoint le mouvement des Gilets jaunes hein, dès le début, David, et on est au 23e jour aujourd'hui. Vous occupez toujours ce rond-point. En ce 23e jour, qu'est-ce que vous attendez maintenant, David? Qu'est-ce que vous voulez? Et bonjour à tout le monde. Donc moi, ce que j'attends, c'est surtout que la population puisse retrouver un pouvoir d'achat important et non être obligé de compter à la fin du mois pour pouvoir se nourrir, se loger. Arrêter cette différence entre le haut du peuple et le bas du peuple. Il y a trop de différences financières à ce niveau-là. Et quel peut être l'avenir du mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, après ce quatrième week-end? C'est clair que ça fait 4 week-ends qu'on est 24 heures sur 24 sur le terrain. On commence à avoir du mal à tenir le cap, mais... il faut savoir qu'on est très très motivé et on arrive toujours à trouver les ressources pour continuer. Donc tant qu'il n'y aura pas d'évolution au niveau de l'État concernant le pouvoir d'achat des Français, je pense que ça ne s'arrêtera pas. Est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé ce week-end à Paris et dans différentes villes du pays, ces violences une nouvelle fois ? Tout à fait, je les condamne. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que hors du mouvement des Gilets jaunes, quand il y a des problèmes dans la rue, on voit toujours des actions de nos policiers et de nos militaires. Mais par contre, là, en amont, il n'y a rien de fait. Je pense que tous ces gens qui sont dits casseurs, on devrait pouvoir aller les chercher avant. Vous voulez dire qu'on les a laissés faire? C'est ça que vous voulez dire, David? On les a laissés faire pendant un certain temps avant d'intervenir? C'est ça que vous voulez dire? Bah c'est là-dessus que j'aurais voulu rebondir. Tout à fait. Je pense que ce sont des gens qui sont connus et on ne va pas les chercher. Kevin voulait rebondir. Pour répondre à monsieur le député tout à l'heure, donc bien entendu que les violences, on les condamne, mais on condamne les violences des casseurs. Toutes les violences qui ont été faites, ce sont des casseurs. Et ça, on le voit bien. Et on voit qu'au bout de 3 semaines, ils ont mis, au bout de 3 semaines, un dispositif en place pour stopper ces casseurs-là et les empêcher de rentrer bien en amont. Donc ce dispositif, s'il a été mis là maintenant, il aurait très bien pu être mis dès le début. On sait très bien comment ça se passe dans les manifestations, on l'avait vu au 1er mai. On sait très bien que les manifestations, les casseurs viennent se mêler à la manifestation. Là, ils savaient très bien, ils s'attendaient à un rassemblement quand même assez massif. Après, au niveau des chiffres, on n'aura jamais vraiment les chiffres exacts de la population qui était présente. Mais on savait très bien que ces gens-là seraient présents et les forces de l'ordre auraient dû agir déjà en conséquence, comme ils l'ont fait là, mais déjà bien avant. Monsieur Goudfarm. Juste pour dire que tout ça a l'air si simple. On voit à travers les arrestations faites qu'une grande partie des casseurs, entre guillemets, viennent aussi de la province et ils n'étaient pas connus des services de police. Donc c'est leur premier acte de délinquance. Ça doit absolument nous alerter, mais c'est aussi pour dire que ce n'est pas aussi simple de les identifier. Frédéric Nera, hein, oui. Franck. Allez-y, j'en prie. Ok. Moi, je voulais juste vous dire en fait que Frédéric Nera avait pris la place de Karim Benasser. Frédéric Nera est sociologue à l'université de Normandie. Bonjour et merci. Bonjour. De nous rejoindre ce matin. On a vraiment souhaité que vous soyez là avec nous pour prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé ces 4 dernières semaines. Quel regard vous portez aujourd'hui, en ce dimanche matin, sur ce qui s'est passé et sur l'évolution qu'a pris aussi ce mouvement? Je pense qu'au départ, la mobilisation elle semble être circonscrite à des questions de taxes. Et puis progressivement, on voit un élargissement effectivement des revendications. Mais d'une certaine manière, c'est normal. Dans toute mobilisation, il y a des formes de politisation. Et ce que je trouve finalement très positif, je le dis, c'est que face à une crise de la démocratie, crise de la représentation parlementaire, qui s'est traduite aussi par des taux d'abstention records aux législatives dernières, si vous vous souvenez, plus de 50% au second tour, c'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a 30 ans, eh bien, d'une certaine manière, peut-être que des gens qui s'abstenaient, voire qui n'étaient pas inscrits, commencent à s'intéresser à la chose politique. Alors ils le font de façon parfois maladroite, mais c'est quand même extrêmement intéressant de voir ces formes de politisation.
Et ce que parfois on a tendance à disqualifier le fait qu'il y a des revendications de toutes sortes, de tout ordre, mais moi je pense que c'est parce qu'on est dans une phase de réflexion. Et par ailleurs... Phase de réflexion de quoi, justement? Phase de réflexion politique, phase de réflexion sur la vie de la cité. Sur notre société, voilà. Que va-t-elle devenir? Je pense, oui. Et là, il y a aussi la sociabilité particulière qui se construit à partir des ronds-points, qui se construit dans cette mobilisation, qui permet aux gens d'échanger. D'échanger sur l'avenir. On a vu des gens effectivement échanger avec les Gilets jaunes. Oui. On a vu également des Gilets jaunes s'en prendre, Kevin peut le dire, à des automobilistes. Il y a eu des échauffourées, il y a des tensions sur les barrages. Mmh. On a parfois dit ce sont les Français contre les Français, au début du mouvement notamment. Oui. Alors peut-être qu'on pouvait avoir ce sentiment au début, mais je pense que là, il y a un élargissement aussi de la base. Selon les ronds-points, on n'a pas la même composition sociale, et ça, des collègues un peu partout en France sont en train de travailler sur la question. Elle est liée plutôt au territoire, justement, cette représentativité citoyenne des Gilets jaunes? Alors je pense qu'elle est liée au territoire, hein, effectivement, que c'est aussi à l'image des problèmes sociaux qui se posent ici et là. Et par ailleurs, vraiment sur la sociabilité de ronds-points, enfin, ça c'est quelque chose qui émerge, c'est-à-dire que en fait, les gens se regroupent aussi sur des bases affinitaires, rond-point après rond-point. Véronique Louvagie, vous voulez réagir justement? Oui, alors je voulais réagir déjà au propos de mon collègue qui invoquait les décisions qui avaient été prises au Sénat. Juste redire que le Sénat a pris la décision de supprimer la taxe sur les carburants. Et nous savons très bien qu'au niveau d'une chambre, quand nous prenons une suppression de taxe comme ça qui diminue les recettes, il n'y a pas d'autre alternative que de trouver des recettes de substitution. Et vous le savez très bien. Mais en tout cas, le Sénat a voté la taxe, la suppression de la taxe sur les carburants de la hausse en 2019. Suppression pour 2019. Pour 2019 et les années à venir. Voilà, c'est ce qui a été supprimé. Ce qui a été dit, ça a été suppression pour 2019. Donc pour le 2019, d'accord. 2020, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que cette taxe, il faut la supprimer et remettre tout sur la table. Nous, en tout cas, c'est l'amendement que nous avions porté, que j'ai porté en novembre dernier pour le projet de loi de finances 2019. Une pause pour 2019 et tout revoir, elle est insoutenable financièrement. Nous l'avons dit, c'est 45 milliards d'euros sur le mandat, ça n'est pas possible. Mais il n'y aura derrière, pas que ça je pense à faire. Qu'il faut... Oui, non, il y a une vraie demande de pouvoir d'achat. Et là, je pense qu'il faut que le président de la République apporte des réponses, mais concrètes, claires, simples. La prime qui ne supporterait pas de cotisation sociale et pas d'impôt, qui est une idée de Xavier Bertrand, où nous avons été quelques-uns à faire une proposition de loi sur ce sujet dont j'étais signataire. Voilà, ça, c'est quelque chose de simple. Voilà. Il y a la défiscalisation des heures supplémentaires. La défiscalisation des heures supplémentaires n'est pas votée. Ce qui nous est proposé, c'est simplement pour l'automne prochain, la désocialisation, sans même la CSG, sans même la RDS. Les personnes continueront à payer la CSG, la RDS et les impôts. Donc, il faut aller faire des mesures comme ça. Il faut vraiment faire des choses très simples, très concrètes. Et après, ouvrir un dialogue. Parce que c'est vrai que nous avons une injustice fiscale. Ça n'est pas normal que les 20% des moins aisés soient les grands perdants des politiques qui sont prises. Ça veut dire rétablir l'ISF? Non, je dis non. Mais si vous non, voulez, vous dites si, ça non. Si nous rétablissons l'ISF, est-ce que les personnes les moins aisées vont retrouver du pouvoir d'achat? Non. Mais est-ce ça que, ne est-ce que l'impôt rien. Serait pas plus juste, du coup, aussi, Madame Louvagie? Parce qu'il y a aussi cette question de l'injustice dont parlait Kevin tout à l'heure. L'injustice, on peut le régler au niveau de l'impôt sur le revenu. C'est vrai que nous avons aujourd'hui des déséquilibres. Quand vous pensez que la flat tax, qui est de 30%, c'est donc un impôt sur le revenu de 12,8%, puisqu'il y a de la CSG. 12,8%, c'est inférieur à la première tranche d'impôt sur le revenu de 14%. Mm. Et pourtant, moi, je suis libérale dans l'âme. Mais c'est vrai que là, on a un petit problème. Donc, il faut remettre tout ça à plat. Il faut vraiment aider les moins aisés. On va retourner à Caen, retrouver cette fois Benoît Lepelletier. C'est un des porte-parole du Rassemblement national dans le département de la Manche. Bonjour, monsieur Lepelletier, vous m'entendez? Alors, oui. On a vu des forces de l'ordre procéder, on le disait au début de l'émission, à plus de 1700 interpellations. En Normandie également, les CRS et les gendarmes en ville ont été extrêmement sollicités. Quelle est votre réaction ce midi sur ce week-end dans la région et sur la capitale et sur ce qu'on vient de dire, sur les efforts que peuvent faire les politiques et le gouvernement? Eh ben, ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, grâce aux forces de l'ordre, on a encore une fois évité le pire, mais voilà, il reste encore samedi prochain. Et moi, ce qui m'inquiète, encore une fois, c'est l'avenir. Aujourd'hui, les réponses qui ont été données par le gouvernement sont tardives et non suffisantes. Ils ne prennent pas en compte la crise et les crises qui se sont agglomérées. Il y a trois crises très distinctes qu'on peut voir. Une crise de représentativité, une crise de pouvoir d'achat et une crise aussi d'aménagement du territoire. Et nous n'avons
que pour seule réponse, une suspension des taxes sur un an. On reverra en 2020 comment ça se passera. Et sinon, aucune autre réponse. La représentativité, 15% de proportionnel. C'est ridicule. Mais qu'est-ce que vous pensez du point de vue de Marine Le Pen qui déclarait vendredi encore qu'il ne fallait pas bloquer cette manifestation à Paris, pas l'interdire, tout en appelant au calme de l'autre côté. C'est un peu un paradoxe. Bien sûr. D'un côté, on n'interdit pas la manifestation, sachant que des casseurs peuvent infiltrer le quand cortège. On écoute. Et d'un autre côté, quand on écoute les gilets jaunes qui sont sur Paris, j'en ai écouté beaucoup et la plupart sont d'accord pour dire qu'il faut se mobiliser en région, mais également monter à Paris. Et ces personnes-là qui, on va dire, écoutez, vous n'allez pas à Paris, vous ne manifestez pas à Paris, vous restez dans vos régions, c'est évident que ces personnes, c'est les inciter à monter à Paris. Juste en un mot. Évidemment qu'ils ont le droit de manifester, c'est un droit. Paris, c'est un symbole. Juste en un mot, j'ai posé la question à Ralph Lejamtel tout à l'heure, savoir si il était prêt à enfiler un gilet jaune pour rejoindre les manifestants sur un rond-point. Si je vous pose la même question, qu'est-ce que vous me dites ? Ah bah moi, évidemment. Évidemment, je veux dire, je suis arrivé là à France 3 avec un gilet jaune à mon pare-brise, comme j'ai depuis le début, pour dire, voilà, personne n'est seul, on se regroupe, parce qu'il y a des causes à défendre, il y a des choses à défendre. Et moi, ce qui me gêne énormément, c'est ce cynisme. Et il n'y a pas de récupération politique. Ridicule. Non, voilà, justement, il n'y a pas de récupération politique, parce qu'avant d'être un représentant politique, je suis un citoyen, comme tout le monde. Mais moi, ce qui me gêne énormément, c'est voilà, ce cynisme politique et ce ridicule quelque part. Je veux dire, j'entendais une proposition qui était de faire un référendum sur la fiscalité. Ça venait des Républicains. Je viens quand même à rappeler que le dernier référendum que nous avons connu, c'était en 2005, et c'était bien la droite qui était majoritaire, et elle a bafoué ce référendum. Et j'entends aussi d'un autre côté, La République En Marche, le député de La République En Marche, qui parlait justement d'une prise plus locale pour discuter. Il parlait des maires. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites aux maires? On est toujours en train d'éloigner de plus en plus le pouvoir décisionnel, avec des intercommunalités de plus en plus grandes. On le connaît notamment dans la Manche et dans le Nord-Cotentin. Et on retire notamment une taxe d'habitation qui peut être justifiée. Mais derrière, on fait quoi de ces municipalités? Les élus locaux, vous en parliez. Fabien Gouttefort, vous voulez réagir, justement. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. La première chose que j'aimerais rappeler, c'est qu'on n'a jamais eu la prétention de dire que la suppression annoncée, donc finalement par l'Élysée, de tout un ensemble de taxes, était là pour régler les problèmes des Gilets jaunes. Elle n'était que la condition de l'ouverture d'un dialogue. Pour moi, les véritables solutions, elles commencent par ça, mais elles commencent surtout avec la concertation. Et puis, M. Nera disait très justement, c'est finalement, c'est positif parce que les gens commencent à faire de la politique. Des gens qui étaient éloignés de la politique. À se réapproprier la politique. Ça, c'est fondamental. Et moi, j'aime rappeler régulièrement, faire une formule peut-être un peu compliquée, mais rappeler aux gens que faire de la politique, c'est vouloir les conséquences de ce que l'on veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut l'augmentation du SMIC, ou quand on veut, en même temps, les retraites à 60 ans, tout ça ont des conséquences, et souvent complètement en contradiction. Mais on a l'impression que ce discours qui est tenu depuis 40 ans n'est pas compris par le peuple, par les Gilets jaunes. Il y a une défiance. Il y a 80% des élus qui ont cette cote de défiance. Vous avez tout à fait raison. Bien évidemment, mais juste un exemple. La retraite à 60 ans, c'est quand même une revendication qui revient beaucoup, bon, par exemple. La retraite à 60 ans, ça voudrait dire, ça coûte des milliards d'euros, ça c'est objectif. Ça voudrait dire qu'il faut trouver cet argent. Qui paie les retraites aujourd'hui? Ce sont les actifs, donc les travailleurs. On est parfaitement conscient qu'aujourd'hui, les revendications qu'on va mener pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, on en est tous conscients que derrière, ça va impliquer des sacrifices. Entre guillemets, faire des petits sacrifices, que tout le monde doit y participer. Moi, pour vous dire, depuis le début, je me suis rendu compte qu'on parle aujourd'hui d'une société hyper individualiste. Depuis 22 jours, on s'est rendu compte qu'il y avait encore une solidarité qui était énorme, qui s'est mise en place, mais immédiatement et limite naturellement. Vous avez le sentiment justement que le mouvement et la perception du mouvement par la population depuis le 17 novembre a évolué, a changé aujourd'hui, malgré les images, malgré la casse qu'il y a eu sur Paris le week-end dernier. Oui, parce que les gens arrivent quand même à faire la différence entre le fait que les casseurs sont complètement en dehors du mouvement des Gilets jaunes. On voit que le mouvement, il est encore suivi, si je ne me trompe pas, par 80% des Français. Donc, on va partir rejoindre, justement,
une autre gilet jaune, une femme. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très nombreuses à s'être engagées dans ce mouvement. Des femmes qu'on a peu l'habitude de voir sur les mouvements sociaux. On en parlait avec Frédéric Nera. Et là, elles sont bien présentes sur cette contestation des gilets jaunes. Elle s'appelle Natacha. Elle travaille comme assistante d'éducation dans un collège en Seine-Maritime. Elle a 45 ans et deux enfants, deux grands-enfants, 15 et 19 ans. Bonjour Natacha. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous aujourd'hui, ce qui vous anime après ces 23 jours de contestation au bord de la route, sur ce rond-point à Mokanchi, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là ce matin ? Je suis encore là pour pouvoir représenter le mouvement de façon positive parce que, en effet, on entend trop que les gilets jaunes sont des casseurs. C'est pas le cas. Nous, notre mouvement est quelque chose qui est motivé par la solidarité depuis le début. Et donc, on voudrait simplement être entendu par notre gouvernement. Et puis, nous aussi, nous sommes prêts à faire des efforts, mais on voudrait seulement être entendu, quoi. À un moment, on entend que des choses négatives sur nous. C'est pas le cas. Il y a beaucoup de solidarité. Moi-même, donc, je travaille et pourtant, en effet, je n'arrive pas à boucler les fins de mois sans le mouvement jaune et la solidarité sur ce camp, par exemple, n'aurait toujours pas de chauffage. Ça, j'oublie pas de le dire. Et pourtant, moi aussi, j'aimerais changer de voiture, mais c'est pas possible puisque je suis dans la précarité. Les contrats, ce sont des contrats d'un an. Donc, je représente évidemment toute ma catégorie sociale, mais aussi les retraités, tous ceux qui n'y arrivent plus. On étouffe. Et pourtant, ça veut pas dire qu'on n'est pas prêt à faire des efforts, mais on veut un référendum. On veut pouvoir être entendu et puis être représenté réellement et on n'a aucune couleur politique. Est-ce que vous avez le sentiment justement que ce sont les élites qui décident tout, que ce soit les élus, les patrons d'entreprise, même les journalistes, paraît-il. Avant d'aller trop vite, Franck, moi j'avais justement un tweet de Stephens qui abondait dans ce sens-là à la question posée sur notre page Facebook. Qu'est-ce qui vous a fait revêtir un gilet jaune ? Eh bien, il a répondu écœuré des conflits d'intérêts, je cite, du mépris, de l'arrogance, le « il suffit de traverser la rue pour traverser du boulot » ne passe pas. Est-ce que c'est la même chose pour vous, Natacha ? Tout à fait, c'est exactement ça. Et ils sont bien trop longs à nous répondre et à venir parler. Ou lorsqu'ils parlent, malheureusement, c'est que de la provocation. Quand on entend qu'ils sont, ils savent même pas le montant du SMIC, c'est juste inconcevable de l'entendre, quoi. Tout est provocation, malheureusement, lorsqu'ils interviennent. Et donc, c'est pour ça que le mouvement continue et qu'on est toujours dans la rue, quoi. Fabien Goodfarne, qu'est-ce que vous répondez à Natacha ? Ils sont des milliers, dans ce cas, à avoir des difficultés à boucler leur fin de mois, des Français qui ont également les plus grandes peines à se loger, à nourrir leurs enfants. Qu'est-ce que vous leur dites ? Sur l'image des élus que cette dame rappelait, effectivement, elle est très dégradée. Moi, j'aimerais bien aussi rappeler des fois qu'ils ont élu il y a un an et demi et d'où je parle. Moi, c'est mon premier mandat il y a un an et demi. Je n'étais pas élu. J'ai été fonctionnaire, donc classe moyenne. Ma femme est professeure des écoles. Nous avons deux enfants. Je connais bien évidemment le prix du SMIC. Je connais aussi le prix de la baguette. Combien ? Le SMIC est à 1100. Alors, quand on est arrivé, 58 euros. Net par mois. Il a augmenté au 1er janvier 1188. 2019. Il sera à 100 000, il sera un peu plus que ça, 1198. Donc on a augmenté quand même depuis notre arrivée de 58 euros par mois. D'accord ? Je connais le prix de la baguette et je connais le prix du pain au chocolat parce que tout simplement j'emmène mes enfants, je fais les courses avec mes enfants, je vis comme tout le monde. Et ce n'est pas parce que je suis arrivé comme député il y a un an et demi maintenant que mon rêve désormais est de satisfaire les riches, de donner de plus d'argent aux personnes les plus riches. Je ne connais pas de millionnaire dans mon entourage, ni avant, ni depuis que je suis élu. Je peux me permettre, vous êtes aussi député en province d'un département rural. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie aussi de perception entre les gens qui vivent en province et Paris ? Mais je vis à la campagne, j'ai une cuve à fioul de 3000 litres et ma femme a un diesel. C'est-à-dire qu'il faut aussi dire aux Français, aux gilets jaunes, que nous ne sommes pas différents d'eux. Nous ne sommes pas différents. Ça, on entend très bien. Après, justement, je vais rebondir sur... Voilà, déjà, ça, on a une vraie fracture de territoire. Et moi, j'aimerais que dans les débats qui vont naître, nous abordions cette question de la décentralisation. Redonner du pouvoir au territoire. Mais ça sera dans un deuxième temps, parce que pour l'instant, ce que demandent les Gilets jaunes, c'est du pouvoir d'achat. Du pouvoir d'achat, voilà. Pouvoir passer Noël avec les enfants, pouvoir leur offrir des cadeaux. C'est ça le discours des Gilets jaunes aujourd'hui. Tout à fait. Il faut des réponses. C'est pas la décentralisation, même si, effectivement, ça va venir dans le débat. Il faut rapprocher l'élu du citoyen. On l'a bien vu. Et on l'a vu depuis cet été d'ailleurs, depuis les amorces et les tentatives du président de la République. Mais aujourd'hui, ce que demandent
Kevin, c'est simplement un peu de d'argent, moyens, de ne pas se trouver comme cette dame qui a du mal à joindre les deux. Concernant ce que Natacha vient de dire, effectivement, député de La République En Marche, qui sur le plateau de M. Bordin, mais sur un autre plateau, n'était pas capable de répondre à la question de quel était le montant du SMIC. On sait très bien qu'il y a une dissociation à faire aussi entre les députés qui sont plus sur le monde rural que tous les députés qui vont être sur Paris. Mais malgré ça, ça reste l'image quand même du politique qui est véhiculée. Donc forcément que c'est dégradant pour l'image politique, mais c'est frustrant pour nous d'entendre des choses pareilles. Alors justement... Daniel Obona, qui se plaint et qui dit de ne pas avoir d'indemnité suffisante pour pouvoir se loger. On connaît le salaire des députés, y compris le salaire de base, plus l'enveloppe qui est mise à disposition derrière. C'est irresponsable de dire ça, vous avez raison. Mais merci. Mais c'est quand même indignant d'entendre ça de la part des gens qui ont un salaire qui est 2,5 fois celui d'un foyer moyen. Complètement. On est d'accord. On va retourner à Caen, retrouver Benoît Le Pelletier du Rassemblement National qui souhaite réagir. Oui, tout à fait. Il y a le gros problème, on parlait justement de l'élection des députés, mais aussi, là je voudrais parler, c'est l'élection d'Emmanuel Macron. On nous a vendu un président qui était quand même censé rassembler les Français contre une candidate qui voulait diviser, disait-il. Mais aujourd'hui, il faut bien dire que la nation n'a jamais été aussi divisée qu'aujourd'hui. On oppose les gens s'opposent tout seuls. Malheureusement, on a des gens qui ne peuvent pas boucler les fins de mois, qui automatiquement voient que derrière, on réforme, comme vous dites, l'ISF, et eux, derrière, on leur demande toujours plus d'efforts. On oppose des territoires ruraux avec des territoires de ville. Aujourd'hui, dans certains territoires, en réalité, si on retire cette mobilité qui est la voiture, où on met une essence trop chère, ne serait-ce que d'aller chercher la baguette de pain dont vous parler, ça devient parfois impossible. Alors parlons justement du. On oppose tous les territoires. Des conséquences. Il y a la ville, la ruralité, l'outre-mer aussi. Il faut savoir aussi en parler. Les difficultés se sont multipliées quand on arrive là-bas. Alors parlons des conséquences. Après 23 jours de conflit, il y a eu des perturbations, il y a des conséquences sur l'économie. L'économie, beaucoup de commerçants se plaignent de pertes importantes en cette période cruciale des fêtes. Il ne faut pas oublier que nous sommes à 15 jours de Noël. Écoutez d'ailleurs ce représentant, c'est Michel Collin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen. C'est vrai qu'on a des surfaces qui restent quasiment bloquées, hein, où il y a des barrages filtrants, mais qui sont très négatifs par rapport au commerce. On a pu constater que Mondeville, Décathlon, etc. souffrent énormément. Hein. C'est des chiffres d'affaires... perdu. Décathlon sur la Normandie, ça dépasse le million d'euros de perte de chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose qui sera difficile à récupérer. Kevin, on l'entend, les sommes sont assez conséquentes. Vous savez de quoi on parle parce que vous êtes commercial hein, dans la vie. Vous avez pleinement conscience de ces répercussions. Vous les entendez, ces commerçants, vous voyez ce ras-le-bol. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Que dans un sens, on est un petit peu embarrassé, dans le sens où on sait très bien qu'on les impacte, eux, sur le côté économique. Mais cet impact-là économique, malheureusement, il permet aussi d'aller impacter le gouvernement sur toutes les rentrées de TVA. Je tiens à dire, il y a plusieurs salariés qui ne toucheront pas de prime de Noël aussi, notamment dans la grande distribution. Fallait en passer par là obligatoirement pour se faire entendre ? Obligatoirement, malheureusement, c'est ce qui a été fait. Après, nous, sur le principe d'avoir bloqué certaines grandes surfaces, comme des zones comme Carrefour-Barentin ou Tourville, qui ont été obligées de fermer, qui ont perdu du chiffre d'affaires, où les employés vont être pénalisés, nous, on déplore un petit peu ça, parce que c'est des gens qui se retrouvent, qui sont exactement dans la même situation que nous aujourd'hui. Donc c'est vrai, dans un sens, on le déplore et on trouve ça dommage que ces gens-là soient pénalisés. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer justement faire une pause dans ce mouvement des Gilets jaunes, une sorte de trêve durant les fêtes pour permettre aux familles, parfois les plus modestes justement, d'aller faire leurs achats, leurs cadeaux pour la famille ? On va se retrouver avec quelque chose à double tranchant. Si on fait une pause, comment va réagir le gouvernement derrière ? Est-ce que il va y avoir une continuité quand même ? Est-ce qu'on va pouvoir entamer les dialogues ? Est-ce qu'on va pouvoir créer... est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose pour la suite ? On reste sur les barrages, on reste sur les ronds-points. Pour l'instant, on est là. Frédéric Nérin. Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises de la part du gouvernement face à la crise des Gilets jaunes, qui au départ a été considérée comme une crise très très circonscrite, très très conjoncturelle. Et ce qu'elle révèle en fait, c'est effectivement la coupure d'une grande partie de la population avec
les élites et avec le gouvernement. Il faut quand même rappeler que le 21 novembre, par exemple, Emmanuel Macron, en Belgique, tenait un discours, alors qu'on était au début de la crise des Gilets jaunes, sur les exilés fiscaux, leur disant que maintenant, ils pourraient revenir, tout avait été fait pour eux, etc. Donc c'était aussi un signe supplémentaire de ce que les... d'abord, les gens privilégiés par le régime étaient quand même les plus hauts revenus, faut le dire, l'impôt sur la fortune, sa suppression, ça a des effets. Et par contre, des formes de mépris social, il y a toute une série de déclarations maladroites de Emmanuel Macron sur les fainéants quand on est en juin 2017 à Athènes, sur aussi quand il visite une usine à Égletton, vous savez, avec des gens qui revendiquent, qui ont perdu leur travail à 200 km à côté et qui leur dit, etc., arrêtez ce bazar, essayez de trouver du travail. Donc tout cela, on pourrait citer aussi l'exemple de votre collègue du département qui proposait aux chômeurs, enfin qui proposait aux salariés de se révolter contre les chômeurs qui allaient aux Bahamas. Enfin, c'est complètement décalé par rapport aux réalités. Fabien Gouttefarde, est-ce que, à votre avis, le président, le Premier ministre, Édouard Philippe, qu'on connaît bien, qui connaît bien en plus, parce qu'il était maire du Havre, il connaît bien cette réalité sociale hétéroclite, est-ce que vous pensez que là, aujourd'hui, en ce dimanche matin, quatrième semaine, ils ont compris ? Moi, je pense que peut-être donc demain lundi, le président de la République va prendre la parole et ce sera très certainement la prise de parole la plus importante de son mandat, de la totalité de son quinquennat. Mais donc, permettez-moi juste, pourquoi avoir attendu trois semaines pour réagir. Alors ça, c'est une autre question. Je peux vous... Non, mais la, c'est aussi la grande inquiétude. C'est aussi la grande question que les Français... Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, j'étais sur un plateau d'une chaîne concurrente quand, au moment où Matignon, donc le Premier ministre, devait recevoir pour la première fois les 8 représentants. Vous savez, ils ne sont arrivés que 2, puis 1, expliquant notamment que certains avaient été menacés. Quel a été le bandeau sur toutes les chaînes d'infos ? Matignon, humilié. On tendait la main... Les gens ne venaient pas et Matignon était humilié. Alors ça, c'est une des raisons pour laquelle le président de la République, qui n'est pas qu'une personne, mais c'est aussi une institution, doit être protégé. Donc on met en avant le Premier ministre. Qu'aurait-on dit si l'Élysée avait fait cette invitation ? Vous imaginez ? Donc le temps de cette prise de parole, elle doit être dans un moment, je n'irai pas du tout apaisé, je n'irai pas jusque-là, mais où on a un peu de hauteur sur les choses pour qu'en fait les annonces qui vont être faites soient effectivement fortes, puissantes. Je pense que le président de la République doit, comme pendant la campagne, doit retourner la table, doit renverser la table. Tous les commentateurs le disent, cette semaine est cruciale politiquement, avec l'intervention sans doute demain à la télévision du président de la République, des décisions qui seront certainement annoncées cette semaine. Ralph Lejamtel, à Caen, vous êtes, je le disais, secrétaire départemental du Parti communiste dans le département de la Manche. La gauche a déposé une motion de censure à l'encontre du gouvernement. Qu'attendez-vous justement ? Est-ce qu'il faut renverser le pouvoir ? La motion de censure, elle est déposée pour montrer qu'il y a d'autres propositions qui sont faites en matière de financement. Il y a quand même un nœud dans cette semaine qui va s'ouvrir, c'est la question de l'impôt sur la fortune. Je pense que tout le monde comprend que M. Macron fait le pari que c'est une mesure sur laquelle il ne peut pas revenir parce qu'elle dit bien ses choix politiques. Il y a quand même tout un tas de propositions qui sont alternatives sur la sécurité sociale, sur les hôpitaux, sur les EHPAD, parce que cette mobilisation des Gilets jaunes, elle vient derrière d'autres mobilisations, notamment des personnels d'EHPAD. Dans les hôpitaux, moi, sur l'hôpital de Cherbourg, il faut bien voir que les salariés, les personnels soignants, ils sont en quasi-situation de burn-out. Donc la motion de censure, c'est pour montrer que tous les choix politiques qui sont faits depuis 18 mois sont faits pour distribuer... du pouvoir d'achat, pour le prendre comme ça, aux plus riches. Or là, on est dans une situation dans laquelle les gens n'en peuvent plus, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Que ce soit des salariés de la fonction publique ou des salariés du privé, il y a un véritable ras-le-bol par rapport à une injustice fiscale qui est identifiée par tout le monde. Il y avait une émission sur France Inter où on expliquait que les cadeaux fiscaux de M. Macron depuis 18 mois, ça représente 86 000 euros de plus par mois pour les plus fortunés. C'est quand même considérable. Véronique Louwagie, est-ce que cela passe comme le préconise la gauche justement, par une motion, par une dissolution ? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, chez les Républicains ? Écoutez, c'est toujours une position de groupe, donc je pense que nous
allons débattre de ça mardi matin. Au demeurant, je pense qu'il faut remettre sur la table un certain nombre de points. Effectivement, ce qui est évoqué au niveau des hôpitaux, nos hôpitaux sont dans une situation de souffrance terrible. Je pense qu'il faut remettre tout sur la table. Et comme c'est le dialogue qui est proposé, je ne pense pas qu'il faut que nous ayons un certain nombre de décisions d'orientation à notre niveau, parce que là, ça serait considéré que le dialogue n'a pas lieu d'être. Donc le dialogue, il faut le mettre en place au plus près des territoires. Moi, je... Ça veut dire que vous êtes prête à recevoir une délégation de Gilets jaunes pour discuter de l'avenir et J'ai reçu trois délégations. Les jours qui viennent. J'ai reçu trois délégations de Gilets jaunes, une qui a duré 3h30. C'est dire que, vous voyez, on peut faire des choses. J'ai moi-même créé un conseil de circonscription depuis un an où nous débattons des sujets nationaux dans un environnement public avec l'ensemble des citoyens. Là, c'est une vraie attente. Est-ce que ce midi, on peut dire, Kevin, que le lien est amorcé avec les élus ? Oui, la communication va pouvoir se mettre en place, le dialogue est ouvert. Maintenant, nous, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, nous, on n'est absolument pas fermés. Justement, c'est le but aujourd'hui et c'est l'appel qu'on lance depuis des jours. C'est d'avoir ce retour de l'autre côté et de pouvoir enfin entamer des négociations et des discussions. Quoi. Et passer Noël à la maison. De préférence. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est par plaisir, que ça fait 3 semaines qu'on met nos familles de côté. Moi, je suis présent sur le rond-point. Je jongle entre mon travail, la vie sur le rond-point, parce que c'est un petit peu, entre guillemets, moi qui ai lancé le mouvement sur ce secteur-là aujourd'hui. Donc, j'ai, entre guillemets, une certaine responsabilité envers les gens qui m'ont suivi depuis le départ. Donc j'ai ça, mon travail, ma vie à la maison. Il va falloir que ça s'arrête. Avant de se quitter, justement, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, ça va très vite, la minute de Chonune, dessinateur, qui croque cette actualité autour des Gilets jaunes, avec un résumé de ces 8 derniers jours. Regardez. Bonjour à tous. Alors si Johnny était parmi nous, il chanterait « Jaune, c'est jaune ». Il n'y a plus d'espoir. C'est vrai que cette semaine a été particulièrement difficile et j'ai voulu vous présenter les dessins marquants de cette période qui, peut-être, comme 68, est une période historique. Il y a quand même une bonne nouvelle cette semaine, c'est que notre président et notre Premier ministre ont retrouvé l'audition. Ça y est, ils entendent, un petit peu comme dans La Folie des Grandeurs, avec quand Yves Montand débouche les oreilles de Louis de Funès. Ça y est, les fameux bouchons de cérumen qu'ils avaient dans le conduit auditif ont sauté. Et ça a donné quoi ? Bien, ça a donné un changement dans le code de la route. Alors, je vous explique rapidement. Au rouge, on s'arrête, hein, bien sûr. Au vert, on passe. Et puis, il y a une nouveauté. Au jaune, maintenant, quand vous voyez un feu jaune, eh ben, vous reculez. C'est un peu ce qu'a fait le gouvernement. Alors, notre Premier ministre normand, ancien maire du Havre, Édouard Philippe, vous avez vu, hein, c'est un petit peu le fusible du président. Le président s'en sert comme bouclier. Maintenant, il est tellement maigre que bah, voilà, le président, il se prend quand même des pavés, des tomates. Tout ça va peut-être se terminer en naufrage. Alors, Édouard Philippe, il a l'habitude hein, des bateaux, ancien maire du Havre, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, Emmanuel Macron, il faudrait juste lui dire qu'un gilet jaune, ça n'est pas gonflable. Voilà. Bon dimanche à vous tous. Notez, Fabien Goudfard, le bateau prend-il l'eau ? Une remarque pour construire ensemble, justement, Kevin. 10 secondes. Très rapidement, vous savez qu'il y a eu une réforme constitutionnelle qui a été suspendue par l'affaire Benalla. Faisons d'un mal à un bien. Elle revient en début d'année prochaine. Prenons en compte vos propositions, plus de proportionnel. Pourquoi pas ? Chiche, elle est déjà prévue, mais augmentons encore. Et pourquoi pas également plus de référendums, etc. Moi, c'est deux choses qui m'intéressent et sur lesquelles vous devrez suivre la réforme constitutionnelle. Le mot de la fin, rapidement, Véronique Louwagie. Je pense que le gouvernement n'a pas géré convenablement cette crise depuis plusieurs semaines. Donc là, moi, j'en appelle au gouvernement et au président de la République pour, dès le début de la semaine, répondre véritablement aux demandes des uns et des autres. Un sociologue en 10 secondes. Alors, les gilets jaunes se réapproprient la politique qu'après le discours d'Emmanuel Macron lundi, on fasse autrement de la politique au sommet. On gouverne autrement, de façon plus respectueuse et plus à l'écoute. C'est vous qui clôturez cette émission, Kevin. Alors, je ne sais pas. Moi, je veux juste remettre en avant, c'est la véritable définition de la démocratie. Pour finir, toujours dans la solidarité, nous, on a mené une action hier sur Carrefour à Mont-Saint-Aignan, où on a associé les Gilets jaunes au Téléthon. On a récupéré une somme d'argent assez conséquente, dont on ne s'attendait pas. Et on remettra un chèque à l'association du Téléthon sur Buchy tout à l'heure. Merci à tous d'avoir participé à ce dimanche en politique exceptionnel. J'espère que cette émission aura permis d'amorcer un début de dialogue entre les élus et puis les représentants des Gilets jaunes. Dans un instant, le journal régional présenté par Jérôme Ragnaud. Merci Émilie. Merci Franck. Bonne journée, bon week-end. Et bon dimanche. Et à la semaine prochaine.